Et hey, bonjour à tous les aliens, mon nom est Spook. Je t'invite tous les petits aliens de ma chaîne YouTube, ça porte très très bien parce qu'on va en parler, les gars, ça va super bien. Comme d'habitude, super content aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers de jeu. Du coup, voilà, directement commencer avec toutes les informations super super intéressantes. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge pour devenir un vrai alien de la chaîne YouTube et pour ne louper aucun leak sur Fortnite. Du coup, les petits aliens, nous on va directement commencer avec toutes les informations super super intéressantes. On y va directement maintenant. Alors maintenant on va directement commencer avec l'information qui va faire plaisir à beaucoup beaucoup de petits aliens, j'en suis sûr et certain, c'est tout simplement la date de sortie du skin Deadpool. Voilà ce que je vous affiche ici, un petit calendrier qui est apparu dans la planque de Deadpool. Voilà tout simplement pour montrer qu'il reste 2 semaines avant la sortie du skin. Du coup franchement très très hype, voilà, on se réjouit vraiment que le skin sorte parce que ça fait longtemps qu'on l'attend et franchement ça va vraiment être quelque chose d'énorme. Alors maintenant, toute petite information pour vous rappeler qu'il y a la musique du thème chat, voilà, qui est sortie aujourd'hui sur Fortnite. Voilà, du coup, franchement, n'hésitez vraiment pas s'il y a des petits aliens qui veulent se la procurer parce qu'elle est dans la boutique pour l'instant. Alors ensuite je vous affiche 2 petits tableaux qui recensent un petit peu tous les items de la mise à jour 12.20, voilà, qui vient d'arriver. Voilà, franchement tous ces items là sont dans les fichiers de jeu, ils vont bientôt arriver dans la boutique. Du coup franchement n'hésitez vraiment pas à rester connecté sur Fortnite si vous en voyez qui vous plaisent, parce que franchement il y en a qui sont vraiment pas mal pas mal. Donc maintenant toute petite information pour tous les petits aliens qui jouent au C4, voilà, juste pour vous informer qu'en fait le C4 a été patché et maintenant il faut un temps de déclenchement de 0,5 secondes, avant il était de 0,3 secondes. Du coup voilà, une petite information pas très intéressante sauf pour les petits aliens qui jouent au C4, mais je tenais quand même à vous la présenter. Donc ensuite j'ai trouvé pour vous une information assez intéressante sur Twitter, voilà, voilà, je vous affiche ici un petit screenshot de toutes les séries spéciales de skins. Voilà, je pensais que ça pouvait faire plaisir à beaucoup de petits aliens d'avoir un petit peu une vue d'ensemble de tous les skins spéciaux. Vous savez bien que la toute nouvelle série spéciale qui est sortie c'est la série Slurp, voilà, et il y avait la série Marvel, etc. Du coup franchement assez stylé. Alors maintenant on continue avec une petite théorie, voilà, je vous affiche ici une petite image qui prouverait soi-disant qu'en fait, eh bien, le skin Oro et le skin du roi Midas, voilà, seraient tout simplement la même personne parce qu'ils ont tous les deux une cicatrice à l'œil. Du coup voilà, c'est une petite théorie qui a émergé sur Twitter, il y a des petits aliens qui ont commencé à s'imaginer ça, du coup franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors maintenant une petite information qui j'espère aidera beaucoup de petits aliens, voilà, je vous affiche ici la petite map de tous les hélicoptères, enfin vous avez la position de tous les petits hélicoptères que vous pouvez trouver sur la map, vous savez bien que l'hélicoptère c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, du coup franchement enjoy si vous voulez jouer avec. On termine dans les fichiers du jeu avec un petit leak qui montre que bientôt on aura des missions supplémentaires pour avoir des variantes du skin banane. Voilà, en fait des nouvelles variantes que vous pourrez gagner grâce aux petits défis, du coup franchement ça fait assez plaisir, on attend vraiment de voir ça dans les jours qui viennent. Alors maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais simplement à vous présenter une petite emote qui a été introduite par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Voilà, je vous l'affiche ici, vous pouvez voir aussi le magnifique skin du visiteur, voilà, qui est simplement un skin de la saison X, franchement assez stylé. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que c'est dans la boutique pour une durée limitée. Donc voilà les petits aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit leak du chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite, parce que moi j'ai mangé énormément devant un petit peu tous ces petits leaks arrivés dans le jeu en gameplay. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas pour vous aussi, et n'hésitez pas aussi, le plus important bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que vous savez très bien que les informations de leaks et de news se trouvent sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez toujours rester 100% informé de la situation sur Fortnite, la meilleure chose que vous avez à faire c'est vous abonner et jamais vous ne louperez aucune information. Du coup les petits aliens, c'est Spook ici, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À la prochaine les aliens. I'm going.